salut à tous bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est à quelques heures de ce huitième de finale retour de ligue des champions entre le bayern de munich et le paris saint-germain le paris saint-germain qui s'est incliné un but à zéro au parc des princes à l'aller va devoir gagner par deux buts d'écart pour se qualifier directement ou d'un but d'écart pour aller en prolongation voire au tir au but tâche très compliquée pour le paris saint-germain qui devra se passer de neymar junior ce soir mais aussi pour le reste de la saison et beaucoup se posent la question, si jamais le Paris Saint-Germain réalisait l'exploit de gagner la Ligue des Champions sans Neymar, qui est le plus gros investissement de l'histoire du football mondial, très clairement ce serait complètement incroyable. Première question qu'on va se poser, avant de révéler euh, des nouvelles informations sur le dossier Neymar, va-t-il rester jusqu'à la fin de son contrat Va-t-il rester jusqu'au milieu de son contrat Ou va-t-il quitter le Paris Saint-Germain dès cet été Question qu'on se pose, est-ce que Neymar a encore un avenir au Paris Saint-Germain Neymar a quand même de bonnes stats. Hein. On a tendance à l'oublier, c'est quand même 17 buts et 11 passes décisifs cette saison. Il y a eu cette blessure malheureusement, il y a eu cet échec en Coupe du Monde. Mais moi j'ai une question à poser à tous ceux qui défendent Neymar, surtout sur cette chaîne YouTube. On a vu que Neymar a été beaucoup critiqué sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'à 90%... Tout le monde était d'accord pour dire que Neymar était une fraude du football, euh, le plus gros gâchis euh, du football, la plus grosse escroquerie de l'histoire du football, un joueur avec un mauvais comportement, mauvaise hygiène de vie, qui ne respecte pas son club. Euh, tout le monde était assez d'accord sur ce sujet. J'ai juste une question à, à poser, et si quelqu'un peut m'expliquer, très clairement, j'en serais ravi. J'ai vu que sous mes vidéos, sous les commentaires de mes vidéos, quand je critique Neymar... Bah... Tout le monde me fracasse. Tout le monde me fracasse. Et défend Neymar. Mais j'ai été voir sur d'autres chaînes. J'ai été voir sur d'autres réseaux. Mais surtout, surtout sur d'autres chaînes YouTube. D'autres personnes qui parlent du Paris Saint-Germain. Et j'ai regardé... Que souvent... Les profils... Qui défendent Neymar... Sous cette chaîne. Sur ma chaîne. Tous les gens... Qui défendent Neymar sur cette chaîne le fracassent, le fracassent et le détruisent sur d'autres chaînes. Alors moi, ce que je voudrais comprendre, c'est pourquoi vous êtes d'accord avec moi sur d'autres chaînes. Ça veut dire que vous commentez sous d'autres chaînes et vous êtes d'accord sur le fait que Neymar est une escroquerie et qui n'est pas un et qui n'est pas vraiment euh, utile au Paris Saint-Germain et que c'est une fraude totale. Mais sur cette chaîne-là, vous n'êtes pas d'accord, vous le défendez. Donc ce n'est pas crédible, très clairement. Je ne comprends pas. Faudra m'expliquer. Pourquoi Neymar est un phénomène ici Pourquoi Neymar est indispensable au PSG ici Mais par contre, les mêmes profils qui défendent Neymar sur cette chaîne le fracassent sur d'autres chaînes. Parce que les profils qui défendent Neymar sous mes vidéos, je les ai vus. Critiquer Neymar comme pas possible sur d'autres chaînes avec les mêmes profils. Donc je vois pas l'intérêt. Pourquoi être d'accord avec tout le monde mais pas être d'accord ici C'est quand même assez bizarre. Euh, Peut-être qu'on n'aime pas que j'ai raison, très clairement. Très clairement. Je pense qu'on n'aime pas que j'ai raison. On ne peut pas l'accepter, très clairement. Alors, blessé à la cheville, Neymar va se faire opérer. Le meneur de jeu du Paris Saint-Germain ne jouera plus cette saison. Et dès lors, une question se pose va-t-il reporter un jour le maillot du Paris Saint-Germain un réel doute existe. On a vu en plus de ça que, bon, il faut le prendre avec des pincettes. Hein, mais une fois que le Paris Saint-Germain a annoncé la fin de saison de Neymar, M. Daniel, Daniel Riolo nous dit que le match de Neymar contre Lille était le dernier match de Neymar avec le Paris Saint-Germain. Et que ce soit fort probable que Neymar ne reporte jamais. Le maillot du Paris Saint-Germain. Donc, en clair, pour Riolo, Neymar va quitter le Paris Saint-Germain. Moi, honnêtement, je veux bien. Je veux bien croire Riolo. Mais Riolo va devoir nous expliquer comment Neymar va partir avec un salaire de 30 millions d'euros par saison et un contrat courant jusqu'en 2027. C'est bien, monsieur Riolo, de dévoiler certaines choses, mais il faut aussi approfondir il faut aussi faire un raisonnement pour nous expliquer pourquoi Neymar ne rejouera plus et ne reportera plus le maillot du Paris Saint-Germain. En plus de ça, Neymar a déclaré vouloir rester au Paris Saint-Germain jusqu'à la fin de son contrat parce qu'il s'y sent bien. Très clairement, ça veut dire au PSG, je peux faire ce que je veux, je peux être blessé toute l'année, ils me paieront, et en plus de ça, je suis sous contrat jusqu'en 2027. Donc moi, la seule solution que j'ai vue, et je ne vais pas me répéter, c'est que soit il y a un club saoudien, qatari, chinois ou... Ou de MLS qui lui propose euh, plus de ce qu'il touche à Paris, c'est-à-dire un plus gros salaire qu'à Paris. Ou soit Neymar va rester au Paris Saint-Germain jusqu'en 2027. Ça, c'est sûr et certain. Donc maintenant, il faut m'expliquer, monsieur Riolo, pourquoi euh, Neymar ne reportera plus le maillot du Paris Saint-Germain. Le raisonnement n'est pas fait. Mais surtout, moi, la question que je me pose, et je me suis imaginé quelque chose. Bon d'accord, le Père Noël n'existe pas. Hein, mais on va essayer d'y croire quand même. Imaginez que le Paris Saint-Germain... Créer l'incroyable exploit de gagner la Ligue des Champions cette saison, alors que Neymar n'est pas là, ça serait totalement incroyable. Tu recrutes Neymar pour gagner la Ligue des Champions, tu investis le plus gros salaire à l'époque du club, tu payes Neymar 222 millions d'euros, transfert le plus cher de l'histoire du football. Pour qu'il te fasse gagner la Ligue des Champions, imaginez que le Paris Saint-Germain, cette année, gagne la Ligue des Champions sans Neymar. Vous vous rendez compte du traumatisme pour Neymar Quoique je pense qu'il s'en foutrait. Mais totalement, ce serait incroyable. incroyable. Après moi, je ne comprends pas vraiment les gens qui défendent Neymar. Certes, il a fait une première partie de saison honorable. 17 buts, 11 passes décisifs. Mais il faut se poser la question aussi, contre qui a-t-il mis ses 17 buts et 11 passes décisifs Parce que surtout que les 17, les 17 buts, il faut rajouter les buts avec le Brésil aussi. Hein. Voilà. Alors, Neymar n'a jamais gagné le Ballon d'Or. Neymar n'a jamais rien remporté au haut niveau avec le Brésil. Seulement les JO en 2016. Quand le Brésil a gagné la Copa América en 2019, Neymar n'était pas là. Neymar était blessé. Et pourtant, Neymar reste une légende aux yeux des supporters parisiens. Et moi, le truc qui m'a choqué... Je finirai là-dessus. Quelque chose qui m'a énormément choqué quand tu regardes les réseaux sociaux des propres supporters parisiens, c'est-à-dire des fans du Paris Saint-Germain qui se disent fans alors que c'est des footix. Je vais vous expliquer pourquoi c'est des footix. Des propres supporters du Paris Saint-Germain qui nous expliquent via les réseaux sociaux, via Twitter, je suis pour le Paris Saint-Germain, mais rien que pour le manque de respect de Neymar. Je veux que le PSG perde contre le Bayern et se fasse éliminer. C'est des supporters parisiens qui disent ça sur Twitter. Mais quelle honte de dire ça. Et ils se disent supporters du Paris Saint-Germain, ces gens-là. Mais c'est complètement incroyable de pouvoir dire ça. Tout ça parce qu'il y a un irrespect pour Neymar, soi-disant, qui est l'idole des Footix. Bah, les supporters, des propres supporters qui se disent supporters du Paris Saint-Germain, espèrent la défaite du Paris Saint-Germain ce soir pour prouver que Neymar... Et dix fois meilleur que Mbappé. Et ça, c'est des supporters du Paris Saint-Germain. C'est une honte totale. Et tous ceux qui disent ça, je vous enlève euh, le badge de supporter du Paris Saint-Germain. Parce que vous n'êtes pas des supporters du Paris Saint-Germain. Vous êtes réellement des Lopsa. Lopsa, c'est du verlan. Voilà. Euh, très clairement, euh, moi j'espère que Neymar partira cet été. Mais c'est mission impossible, moi je pense. Et franchement, j'espère que Paris ira le plus loin possible sans Neymar. Voilà. Euh, moi j'en veux à Neymar depuis six ans. Je suis désolé de vous le dire. Le mec, euh, que des histoires. Et on n'a jamais vraiment parlé football avec lui. On a plus parlé euh, histoire... Euh, histoire très compliquée. Histoire hors du terrain. Plutôt que sur le terrain. Et pour un joueur recruté 222 millions d'euros. Je suis désolé, c'est inadmissible. Donc moi j'espère que le Paris Saint-Germain gagnera la Ligue des Champions. J'espère que le Paris Saint-Germain très clairement se qualifiera ce soir. Pour prouver qu'il n'a pas besoin d'un joueur comme Neymar. Après Neymar est un bon joueur. Quand Neymar est à 100%. Quand Neymar est à 100%, il fait partie du top 10 mondial. Ça, il n'y a pas débat. Mais malheureusement, il ne l'a pas montré. Et son hygiène de vie, ses comportements folkloriques et aussi euh, ses blessures prouvent que j'ai raison. Voilà. Mais très clairement, voilà. c'est sûr que si ce soir, si ce soir le PSG se fait éliminer face au Bayern, tout le monde dira que si Neymar avait été là, euh, le PSG aurait eu plus de chances de se qualifier. D'où sort cette idolation pour Neymar je ne sais pas. Peut-être que comme il a battu le record de Pelé en sélection, c'est peut-être ça. Ou peut-être ses tatouages, ou peut-être sa façon de jouer, ses gris gris, ses ailes de pigeon, ses passes du dos. Mais sinon, à part ça, voilà, je pense que peut-être les jeunes Footix préfèrent jouer comme Neymar que comme Mbappé. Pour eux, Neymar est un chef d'orchestre, un meneur de jeu qui peut, des... qui peut faire des gestes incroyables. Alors que pour les autres, Mbappé, à part sa rapidité, il n'est rien. Ça, c'est pour les fans de Neymar, très clairement. Donc c'est assez bizarre tout ça. On verra ce qui se passera ce soir en espérant la qualification du Paris Saint-Germain contre le Bayern et que le PSG aille en quart. Et on se retrouve pour le débrief aux alentours des 23h ou sinon aux alentours des 23h30 minuit s'il y a prolongation. C'est une possibilité maintenant avec... Euh, la nouvelle règle et le but à l'extérieur qui a été enlevé officiellement. Voilà les postos, c'est la fin de cette vidéo. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Tchuss.